Salut à toi, c'est Vince. Ben, j'espère que tu vas bien. Bon, je te retrouve dans ma voiture cette fois-ci pour aller à la petite forêt que je t'ai montrée dans une précédente vidéo, qui est à peu près à 500 mètres de chez moi. Et là, tu vois, il est 17h. Alors, si j'arrive à ouvrir ma voiture, ben, c'est bon. Il est 17h chez moi et j'étais en train de bosser, j'étais en train de flâner aussi un petit peu. Et je me suis dit, bon, il faut que je bouge encore un petit peu, il fait beau, il fait bon. On est en avril. Et alors le matin, il fait un petit peu frais, mais là, cet après-midi, il fait super bon. J'adore aller dans ce parc. Ça me ressource, ça me permet de me concentrer, d'être un peu plus moi-même. Et juste avant de partir, j'écoutais une vidéo de Jean Rivière, dont je t'ai parlé il n'y a pas longtemps dans un article et aussi dans une vidéo, tout simplement. Sur confort et ennui. Sa vidéo a vachement résonné avec moi et c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui au travers de cette vidéo parce que ce qu'il explique dans sa vidéo au niveau du confort, c'est que trop de confort en fait t'emmène à l'ennui. On ne parle pas de confort matériel, mais on parle vraiment de confort de stagnation en fait. Et c'est vrai que c'est ce que j'observe depuis quelques temps, ce mal-être. Moi j'ai toujours eu besoin d'être en mouvement, j'ai toujours eu besoin d'être constamment en train de faire des choses, en train d'innover, en train de faire des projets et tout. Et c'est vrai que quand j'arrive dans un stade de stagnation, ben je m'ennuie et comment dire, ça m'apporte pas de plaisir et même je vais être pas bien parce que ben j'ai toujours ce besoin d'accepter des nouveaux défis, d'accepter des nouveaux projets parce que j'ai horreur de l'ennui. Alors après, il y a des gens qui aiment s'ennuyer, il y a des gens qui aiment être tranquille, pas débordé ou autre, mais moi ça a toujours été mon leitmotiv en fait, le fait de pouvoir faire plein de choses en même temps. Et c'est ce que Jean Rivière t'invite en fait à faire dans ta vie. Parce que quand tu n'as plus de défis ou quand tu n'as pas de challenge, de choses comme ça, d'objectifs, bah, c'est ça en fait qui fait que tu t'ennuies et que tu te sens pas bien et que tu évolues pas. Et c'est vrai que depuis un an et demi, et que je t'explique voilà, ce burn-out spirituel, etc., c'est parce que je n'ai plus de défis. Et pour moi, je le dis même encore, enfin je le disais à ma chérie encore avant de déceler ce burn-out spirituel, je dis mais la vie est insipide parce que j'ai plus de défis, parce que je me lance plus de projets. Et effectivement, quand il n'y a plus de défis, on savoure moins les choses. On savoure moins les petites réussites ou autres. Et ça résonne aussi avec une deuxième vidéo que j'écoutais hier. J'ai même fait écouter à ma chérie sur la quête du bonheur, chercher le bonheur à tout prix, chercher le bonheur permanent, que ce n'est pas possible. Parce que le bonheur permanent n'existe pas et n'existera pour personne. On peut avoir un bonheur qui est assez long, on peut avoir un bonheur qui est semi-permanent, mais un bonheur permanent, ce n'est pas possible parce qu'on ne pourrait pas se rendre compte de ce qu'est le bonheur si on n'a pas de négatif, si on n'a pas de souffrance ou autre. Et c'est un peu ce que ça rejoint un peu la vidéo du coup que j'ai écouté hier et que j'ai écouté aujourd'hui de Jean Rivière, mais c'est pas du tout les mêmes personnes. C'est qu'en fait ces défis qu'on va se lancer vont nous permettre d'aller apprécier des choses, de retrouver un peu d'extraordinaire et tout. Et ce qui est drôle, c'est que ce matin, je me suis mis à réécouter des vieux vlogs que j'avais fait dans mes premières années hein, sur cette chaîne YouTube. Et je trouvais toujours tout extraordinaire parce que je découvrais des nouvelles choses, parce que j'expérimentais la vie, je faisais des tests, je faisais des choses qui étaient nouvelles pour moi et je trouvais ça magnifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est trop dans ce confort, qu'on a créé un peu cette routine, on fait un peu tout le temps les mêmes choses, alors c'est valable pour moi, c'est peut-être pas valable pour toi, c'est peut-être pas valable pour une autre personne non plus, mais c'est vrai que pour moi, dès que je commence à faire un peu les mêmes choses, ben, je vais me retrouver à m'ennuyer et à pas apprécier parce qu'il va me falloir comment ça s'appelle, des nouvelles expériences, des nouvelles choses. Donc là, écoute, j'arrive à mon parc, je vais aller me garer et je te retrouve juste après. Ouais, donc c'est ce que je te disais en fait, le fait d'arriver dans des choses que tu as déjà faites ou qui te lancent plus trop de défis, tu vois. Là, je me suis lancé dans un nouveau challenge, c'était créer un site web, faire un site web pour des Suisses, pour vraiment un gros truc qui est un gros truc qui est assez conséquent. En plus, ce qui était assez fou, c'est que c'était un projet que je voulais faire
en début d'année, en fait, pour t'expliquer vraiment le principe. Tu vois, le parc, il est vraiment magnifique. Moi, j'adore venir ici. Ça me détend un petit peu et c'est vraiment top. En fait, le projet que je suis en train de faire en ce moment, c'est de faire une refonte totale de site web. Et ça, c'est un projet qui me passionne, mais qui est quand même assez long, où il y a des choses un peu répétitives. Mais par contre, c'est extrêmement challengeant. Pourquoi c'est challengeant? Parce que c'est des choses, par exemple, que je n'ai pas faites ou que j'apprends. Donc, il y a de l'apprentissage, il y a de la croissance. C'est quelque chose que je voulais faire, c'est-à-dire avoir un premier contrat au-delà des 10 000 euros, le contrat. Et c'est quelque chose que je voulais manifester dans ma vie et que j'ai manifesté vraiment fin d'année dernière, début de cette année. Donc, c'est un projet qui m'a fait un peu exploser mon plafond de verre, comme quoi j'étais capable de recevoir cet argent, de pouvoir facturer au-delà des 10 000 euros. Par contre, c'est quelque chose qui me challenge et qui me fait... qui me met un peu des fois aussi en insécurité. Mais c'est ça qui me motive et qui me booste d'avoir des projets comme ça justement. Et ce que disait Jean Rivière, c'est de se lancer des défis, avoir des challenges justement, avoir des objectifs. Et en fait, ça retombe parfaitement avec ce que je recherche en ce moment, de pouvoir changer un peu cette routine que je me suis instaurée là depuis un an et demi, justement en redécouvrant des nouvelles choses, en revenant un peu à l'essentiel, à revenir dans la nature, à essayer de revenir à des choses que je faisais avant pour essayer de les innover, de travailler différemment, donc par le biais d'articles de blog, par le biais de ces vidéos que je suis en train de te faire différentes, avec l'IA aussi que j'utilise en ce moment pour m'aider dans ces recherches de vidéos, faire les descriptions, etc. Et surtout, la vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure d'hier, qui parlait de ne pas chercher le bonheur parce que c'est une quête perdue, étant donné que le bonheur, il est très court généralement ou pas permanent, il est semi-permanent. Ben, en fait, cette question du bonheur, c'est de se contenter de ce qu'on a déjà. Et ça revient entièrement à ce que je prône depuis de nombreuses années sur la gratitude. Donc, je te montre deux, trois petites images, c'est-à-dire que hier, j'ai repris un peu mes procédés de gratitude, d'essayer d'éprouver de la gratitude sur ce que j'ai déjà dans ma vie, ce que j'ai pu accomplir, que ce soit l'argent, la relation que j'ai avec ma chérie, que ce soit mon appartement, que ce soit de ma famille, les choses matérielles. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'à partir de ça, à partir du moment où tu mets de la gratitude dans ta vie, tu as beaucoup plus qui t'arrive. Ça, c'est clair, net et précis. C'est ce qu'on appelle la manifestation. Et je t'en parle aussi beaucoup dans cette chaîne YouTube et sur mes articles de blog. Mais ça aussi, ça te permet de changer de mood un petit peu. Ça te permet de voir un peu plus la vie du bon côté, de voir des choses plus positives et de savourer cet instant T, en fait, ce moment présent. Par rapport à ce que tu as, tu vois, par exemple, là, moi, j'éprouve de la gratitude de pouvoir aller me balader en nature parce qu'il pleut pas, par exemple, ou parce que j'ai mes deux jambes, parce que je suis juste à côté, justement, d'une forêt et que je puisse aller me balader. Alors, c'est pas ce que je souhaite comme forêt, parce que c'est vrai que c'est dans la ville, j'aimerais un truc vraiment tranquille et tout, mais c'est quand même suffisant, donc j'éprouve de la gratitude par rapport à ça. Et je t'invite à vraiment noter tout ça. Et d'ailleurs, je te mets dans la description ma formation que j'ai remis en place, qui était un programme de 30 jours de gratitude, c'est-à-dire que tous les jours, tu as une vidéo avec un procédé de gratitude différent. Et surtout, c'est gratuit, c'est-à-dire que c'est un podcast que j'ai eu fait sur cette chaîne YouTube, que j'ai mis directement sur ma plateforme. Et ce podcast, tu vas pouvoir l'écouter tous les jours et appliquer vraiment à la lettre tout ce que je te dis dedans. Et tu vas voir que des choses vont vraiment changer dans ta vie. Et tu vois, c'est ça aussi que j'adore, c'est que ici, c'est magnifique. T'as un petit étang, mais je te l'ai montré, je crois, déjà. Ou non, je t'en ai pas parlé puisque je t'ai pas montré. Je devais en faire un vlog, mais je l'ai pas fait. Mais j'adore venir ici. Et donc, ce que je te disais, c'est que effectivement, cette gratitude, elle va t'apporter énormément de choses dans l'instant présent. Et ensuite, ce que j'avais fait il y a quelques temps, j'avais fait un article de blog justement sur les trois questions à se poser. Je te le mets aussi en description et il y a même une vidéo avec sur trois choses, en fait trois questions à se poser pour se mettre en place des objectifs. Et ça, c'est quelque chose que j'avais fait et que j'ai adoré faire et que je vais refaire. Je te montrerai ça dans une prochaine vidéo dans laquelle tu vas mettre les expériences que tu aimerais vivre,
que ce soit des expériences financières, des expériences professionnelles, des expériences personnelles, des expériences folles, des expériences très simples, la croissance que tu veux acquérir, donc l'apprentissage que tu voudrais acquérir, et après il faut savoir que c'est des questions un peu à la manière de l'ikigai qui sont pas fixe, c'est-à-dire que tes expériences que tu veux vivre, c'est à l'instant T. Ça ne veut pas dire que dans un an ou deux, tu auras les mêmes expériences que tu as envie de vivre. Et moi, c'est vrai que quand je regarde mes expériences que j'ai voulu vivre il y a un an et demi, deux ans, que j'avais notées, bah, c'est plus du tout les mêmes aujourd'hui parce que j'ai évolué, j'ai plus la même façon de voir la vie, j'ai plus, c'était des choses un peu passagères, c'était des choses un peu matérielles que je ne voulais pas vivre. Bah, ça va me permettre en fait de peut-être me refixer des objectifs en me disant voilà ce que je veux vivre aujourd'hui. Et ça, c'est des objectifs qui vont me rebooster et m'apporter éventuellement cet inconfort et cette chasse à l'ennui qui règne actuellement dans ma vie en ce moment, parce que c'est plus ce côté, comme je te disais, ennui qui me travaille un peu beaucoup. Et la troisième question qu'il va falloir se poser, c'est la contribution. Qu'est-ce que tu voudrais pour contribuer dans ce monde en fait? Qu'est-ce que tu aimerais si tu avais les expériences et la croissance nécessaires, comme contribution que tu voudrais faire dans le monde? Ça pourrait être faire du bénévolat, ça pourrait être enseigner gratuitement à des personnes, ton expertise et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire, je pense, tout à l'heure ou demain, et je te le mettrai dans une vidéo. Mais je t'invite à te poser ces bonnes questions si tu es un peu perdu dans ta vie en ce moment et si tu veux chasser cet ennui et te remettre en phase avec des objectifs concrets et tout ça. Donc moi, je vais aller continuer ma petite balade. Oui, je te disais avant que ça coupe, parce que cette caméra, l'inconvénient, tu vois, elle est géniale, cette petite caméra, mais l'inconvénient, c'est qu'elle est extrêmement petite et surtout, elle chauffe beaucoup. Donc je te disais avant que ça coupe, que je te souhaitais une belle journée. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en as pensé, à t'abonner, à suivre surtout les petits liens que je t'ai mis en dessous. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!